Donc, on va reprendre Sandland. On s'était arrêté à... ici.調子が悪い場所では、むやみに歩き回らない方がいいですぞ。うん。現在地の確認は重要だ。迷子になるのも冒険っぽくて楽しいかもしれないけどな。 Touché, niqué. Ah, pour voyager ici, par contre, ça va être compliqué, hein. On dirait que c'est quand même beaucoup plus linéaire. C'est que ça voyage déjà bien. Hein. Forest
ウェストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるから。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。 Ah, Soul, il est là. Je t'ai vu, Soul. Je vais bien et toi? C'est quand même beaucoup plus simple quand le jeu est à mon niveau. Hein. Parce que pendant un moment, je me battais contre... J'étais en sous-niveau pendant un moment. Je visitais des zones de level et tout. Ça voyage bien, ouais, putain, vache. Par contre, j'espère qu'on a vraiment un avion pour voyager ici, parce que ça va être une galère. Ouais, il y a le niveau véhicule et mon nouveau personnage. Mais en vrai, est-ce que ça change? Je sais pas en vrai. Je pense un minimum quand même. J'ai pas fait le 1, mais j'ai fait le 2. J'ai kiffé. Et à la fin, il me manque un petit truc. C'est
après avoir combattu le chef, tu vois, je m'attendais à avoir la face avec le titan, tu vois, enfin le titan, le géant. C'est le petit truc qui manque, je trouve. Un petit géant, un petit truc de géant à la fin. C'est surtout que meilleur passage, c'est les géants, quoi. C'est un truc de dingue. Même le sauvetage, quand tu croises les premiers drogues et tout, là, que tu sauves les gens. Enfin, une personne en tout cas. C'est, en fait, les moments intenses, ils sont trop bien faits. Par contre, à la fin, les énigmes, je commençais à en avoir à le cul. Et la phase de la forêt, je l'ai trouvée inutile. Mais vraiment inutile. Alors par contre, oui, la phase où tu te auto-donnes une épée, aucun intérêt. Donne ton épée à ton futur toi, alors que ça aurait pu être la même chose si tu gardais ton épée tout le long. J'ai pas compris cette scène. Ouais, là c'est confirmé, c'est sûr certain Game Pass. Ah bah s'il est dans le Game Pass, je me le ferai peut-être. Hein. Tu sais quoi, dès qu'il sort des Call of Duty sur Game Pass, je ferai peut-être au moins l'histoire des Call of. Et avoir peut-être en stream des modes zombies, du multi. Si c'est dans le Game Pass, ouais. Surtout que j'ai la fibre, donc du coup je vais pouvoir... Je vais pouvoir stream sur du multi. Parce qu'avant j'évitais de stream sur le multi parce que ça tenait, ma co tenait pas. Enfin mon stream tenait mais pas quand je jouais. Évidemment qu'on achète. Oh, enfin, depuis le temps qu'ils l'ont acheté là, ce serait bien qu'ils commencent à mettre les jeux d'Activision. Moi, ce qui me fout plus la haine, tu sais, en plus, là où j'étais, le seul studio où j'étais content qu'ils avaient acheté dans Activision Blizzard. C'était les jeux Crash Bandicoot et Spyro. Mais on s'est fait... Alors, ils seront peut-être dans le Game Pass, mais... Ils ont abandonné le studio. Et du coup, je suis en mode... Mais pourquoi? Un studio qui est prometteur, qui peut attirer des gens, tu leur lèves? Et ouais, le truc qui est dommage aussi avec Hellblade, ce jeu, il est sorti trop tard, je trouve. Ça aurait été un jeu parfait pour la sortie de la série X. Comme ça aurait dû être, en fait. Ça aurait dû être le jeu vitrine de la série X. Surtout qu'avec les extraits qu'ils nous ont montré, qu'est-ce qui a valu autant de temps d'attente, quoi. Quand on nous montre les trailers du combat contre le géant, le deuxième, bah, t'as l'impression que tout était prêt, surtout que t'as pas grand-chose à faire, quoi, dans le jeu, ce que je vois. T'as deux tiers du temps, tu marches, et un tiers du temps, t'as de l'action. Qu'est-ce qu'il a valu encore 3-4 ans de plus de développement? Surtout qu'en plus le jeu il est à 30 fps. Bon, ça va, les 30 fps ça se ressent pas, je trouve. Donc encore ça va.
pour le coup, je comprends pourquoi ils ont privilégié le graphisme. C'est un jeu à compte beaucoup contemplatif. Mais ouais, faut que je le repasse, parce qu'il faut que je passe le succès avec un autre narrateur. Et il faut que je fasse. Comment ça s'appelle ? Les collectibles. Mais en tout cas, je m'attendais à rien du jeu et mais 6-7 heures de jeu en difficile. Alors, j'ai lancé en difficile. Il y en a plein qui ont râlé, ouais, le jeu est trop facile et tout. Mec, si le jeu est trop facile, mets-le en difficile. Et crois-moi que le mode difficile, bon, c'était pas dur, mais c'était tendax. Hein.信じていたぞ、ベルゼブブ殿。本当に気を抜くと。文句あんのかよ。状況は最悪だ。つい今しがた、ブレッド大将軍がエンドミル基地に入りました。アンの引き渡しのためと考えるべきだろう。10年行方知れずだった王女の発見、大将軍が出張ってくるのに 十分な理由だな。引き渡されたらどうなるんじゃ。新たな王として担ぎ求心力とするか、吊るし上げて国王派への反感を煽るか、いずれにせよいいように利用されるだろう。分かってんなら早いとこ助けに行きましょうや。ブレッドが来たことで普段以上に警備が厳重になっている。 正面から戦いを挑んでも勝ち目はない。こういう場合、ラオドのならばどのように戦う？陽動と隠密に部隊を分けるだろう。陽動部隊で目を引きつけ、少数精鋭で潜入し暗を助ける。それがしも同じ考えだ。問題は誰を潜入部隊にするかだが。精鋭といえば、 我々スイマーズしかおらんだろう。お前らは水泳だろ。精鋭だったら俺で決まりだ。争っている時間はない。ここは判断を任せてもらおう。潜入部隊はラオドノにお願いしたい。心得た。ざまあみろ。選ばれたのはお前じゃなくて芝だろうが。同じことだろ。 一刻が惜しい。早速作戦開始だ。ウド、ホウトウ、できるだけ大きな騒ぎを起こすぞ。了解。Non, ça va lancer quoi maintenant, Video Games? おいしいところを譲ってやる。私たちも行くぞ。 D'accord. Ah, moi, les Assassin's Creed, je comprends toujours pas pourquoi les gens se mettent à fond dessus, quoi. Mais pourquoi ça marche encore, quoi. まとまって動くと敵の目につきやすくなる。3点に分かれよ。連絡は王子のテレパシーに任せる。オッケー。いきなりわーとか言って脅かすのはなしですぞ。
Oh putain, on a une infiltration. Oh, il y a des mecs là. Oh putain. Oh, ils sont nombreux, hein. Là, je suis bientôt à 30 heures. Et j'ai commencé la deuxième map. Alors, ils le disent pas tout de suite. C'est un ange. Putain, c'est mini ange. Comme Whis. Enfin, Whis. Plus comme il. Merde, comme il s'appelle le patrouilleur galactique qui est ange. Mon Dragon Ball Super. Donc il a la même coupe au bol. Et tu as vu, il a le même bâton que Whis. Dans l'anime, il croise ce petit gars dans la capitale royale. Donc dans le lore, c'est un ange. Un ange comme Whis, je sais. Oh, on a enfin ce robot. Robot qui ressemble au robot du gang de Pilaf. Mais je passe par où, moi, dans cette histoire? Ah mais attends, il fait le tour comme ça. Ah ouais.
Bon, pas de soldats, on peut y aller. ハグをかわすもんじゃないの。知らねえ。さあ、急いで脱出しよう。待て。その前に司令室に行かせて。司令室？そんなところに行ってどうする？兵士たちが話してるのを聞いたの。そこにアクアニウムレーダーがあるって。なるほど。行ってみる価値はあるな。 わしは反対じゃ。司令室なんて一番警備が厳重な場所だろう。ブレットとムニエルが演説をしてる今なら大丈夫でしょ。少々楽観的だが間違ってはいない。だったら行こうぜ。ありがとう、ペレゼ。トントントントン。 Je l'avais pas vu. Osaizo, Shifu. Pas dans le disque dur. Je vérifie à chaque fois pour me faire baiser. Marche. Oh, c'est le boss ici, non? Ou en tout cas quand on va revenir. アクアニウムの位置は分かった。脱出するぞ。こいつら。
Donc il est cyborg, c'est un cyborg qu'on a à faire. C'est quoi ma touche d'esquive? Ah oui, c'est touche là, ok. Bon, je suppose qu'on va avoir le nouveau robot là sur le chemin. Comme par hasard. Ah oui, non mais... Et dis-toi que ça a été créé avant Dragon Ball, hein. Il y a plein de refs à Dragon Ball, mais c'est une création avant. Voilà. Merde. Baga! Gome! Kannen shiro, namono domo!
Enfin, on a ce robot. Même ce robot, le robot. Attends. Ah non, c'est pas le robot de Pilaf, c'est le robot du commandant Black. Enfin, du Black dans Robin Rouge là. Celui de Pilaf, il est plus petit. Ouais, oh, trop bien! Merci du follow Jojo Baz et bienvenue dans Rizou Family. On va mettre elle et T pour tirer, mais ah oui, alors attends, ils mettent elle et plus pour tirer. Attends, ils mettent LT et RT pour se tirer. Du coup, je fais ça, mais non, en fait, c'est ça. Bah oui, le jeu. Oh là, oh là, oh là. Sensibilité de ce robot, il est pas foufou. Il est pas fou la sensibilité de ce robot alors que les autres j'ai pas de problème. Oh. Je kiffe ce robot. Bonjour. まだ文句あんのか。まさか感心してるんだよ。いや、違うな。感謝してる。ありがとう。すごい魔物だよ、お前。怪我はないか。 大丈夫。でも首飾りを取られちゃった。王家に代々伝わる大事なもので、お母様の形見だったのに。お嬢が無事ならそれでいい。さあ帰ろう。 わしらの家。あ、そういえば誰か忘れてるような。まあいいか。あ、mais il m'a dégagé l'autre. Attends. Ah mais attends, il y a un truc qui va pas. Je veux passer de voiture. Bon, c'est pas grave. De toute façon, faut aller dans la base. Si je vais changer de map. Attends. Comme ça, voilà. Il y a des quêtes secondaires qui sont affichées entre temps. Ouais, bon.
Tadaima, minna. Oh, yoku zo. Hara hette ne ka? Sugu ni ore ga meshi tsukutte yakkara. Omae no ryori nante tabetara, sekkaku tasukatta an ga hara o kawasu. Soria hidee yo, Udo-san. 自然と人が集まり、笑顔の輪が広がる。あの人徳はジャム国を譲りだな。なんかあいつ無理してね。首飾りを奪われたのがよほどショックだったのでしょう。そうかな。 Voilà, ça on dégage. Et tu me remets mon Ario Coco. Et du coup, putain, je peux pas te donner de nom à ça? Oh, fais chier. Bah, tant pis.仲間たちはお祭り騒ぎだが、アンは参加しなくていいのか。だからこそだよ。半分悪魔だからか。この先ずっと言わずにおくつもりかね。いつかは話すべきだと思う。だったら今でもいいじゃん。そんな勢い任せにもいかんのでしょう。だが秘密という奴は 長く貯めるほど重たくなっていく。話せるなら早い方がいいと私は思う。そうだね。ありがとう。みんなと話してみる。 みんな、聞いて。 あのね。 みんなに話さなきゃならないことがあるの。改まってどうしたよ。何でも言ってみな。うん。実は私の体には半分悪魔の血が流れてるの。は？何の冗談だよ。冗談じゃないんだって。 私も知らなかったんだけど、お母様は悪魔だったの。ランゴ殿、アン様の話は本当なのですか。本当だ。なんてこった。ふざけんなよ。なんだよ悪魔って。 ブレッドの言ってることは全部嘘だったんじゃねえのかよ。騙してたのはあんただったのか、ランゴさん。説明してくだされ、ランゴ殿。場合によってはレジスタンスの存在意義を揺るがしかねないお話ですじゃ。すまぬ。ジャム国王とリリス様がお嬢にさえ明かさなかったことを、 それがしの判断で明かすことはできなかった。ジャム国王が悪魔に操られてたって話はどうなんですかい。ブレッドの話で嘘がなかったのはリリス様が悪魔だったということだけだ。
ジャム国王が悪魔に操られていたなどということは絶対にない。お二人は心から愛し合っておられた。結構。しかし、その判断に打算がなかったと言い切れますかな？否定はできんな。なんだよそれ。あれは嘘。これは本当とかさ。何を。誰を信じていいのか分からなくなっちまったな。誰を信じるって、そんなの自分以外にいないじゃん。つーか、お前らアンが悪魔の子ならこいつの敵になんのかよ。それは少し頭を冷やして考える時間が必要だな。そうですな。明日の朝もう一度話しましょう。みんな succès, la confession d'Anne. Bref, combien de succès secrets dans ce délire? Un Shiva battu. Oh, ça c'est du endgame ça. Oh, c'est du endgame ça. Donc en vrai, il me reste plus grand chose à l'histoire principale. Ouais, ouais, ok, ouais, 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 ouais. Hop. Ah ouais, ça se trouve, on est pas loin de la fin, hein. Sumanakatta, Ann. 辛い思いをさせてしまった。私はいい。Donc je suis en train de faire le jeu en difficile pour rien。少しショックだったけど。Mais on fait ça pour le fun。今は悪くないなって思ってる。おじさんもできたし。おじさんって言うな。で、Merde。お仲間たちは放っておいていいのかね。ウドが言っていた通りだ。みんな考える時間が必要だろう。では案内しよう。みんなの考えを聞かせてもらえるかな。私はこれまで通りレジスタンスとして戦います。良いのか。私は石膏ですから、自分の目で見たものしか信じません。私が見てきたお二人は信じられる人たちです。俺も続けるぜ。少し前ならトリケキャンプを出てったかもしれねえが、今は信じられる魔物もいるって知ってるからな。僕もレジスタンスを続けるに一票。みんな甘えな。まあでも当の案が怒ってねえのに、俺が怒っててもしょうがねえか。いいよ、ここは大人になってやる。ビアンはどうかな。どうも何も、アン様のおそばを離れるなど考え。ビアン、みんな、そんで、これからどうする。もちろんお父様を助ける。すみません、お嬢。王の幽閉場所は未だ分からずで。だよね。ジャム様に次ぐ作戦目標といえばアクアニウムですが。それならばエンドミル基地のレーダーでおおよその場所はつかめている。すっげえ、アクアニウムの場所が分かったのかよ。ほうとう、地図を持ってきてくれ。はい。
高速移動していたアクアニウムとゼウの船から奪われたものを除けば。ブレッドの手に落ちていないアクアニウムはここですな。リアンダ戦艦か。水没していてナウテのジャンカーも手を焼く場所だというが、行かない理由にはならない。しかりだ。準備が整い次第すぐに立とう。では身軽な私たちは一足先に向かうとしようか。Ah bah voilà, Soul qui se posait la question, arbre des compétences de Anne. Du coup, on propose quoi ? Oh. Donc en gros, nous manquerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 niveaux. Oh, un coffre. C'est vrai que c'est un peu haché pour viser. L'Akiichi no fond a iroiro ochite imasu. Amari hito ga touranai kara daro. Hiroi mono ga sukai. Hito ga touranai basho ni ochite ru tte no ga fushigi da kedo na. Sora kara futte kitan desu ka ne. Wow, 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 wow. Ouais, bah alors, la moto dans Forestland, c'est pas ouf, hein. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça. メーカーになるならスピードは控えめに。お
Encore un mec à sauver dans cette grotte, hein. Flemme. Hein. Ah, attention. Bon. On va reprendre, hein. Surtout qu'ils sont là depuis 21h30 et c'est qu'à 23h30 qu'ils appellent, hein. Imagine, je suis un couche-tôt. Bon, ça va que je suis pas un couche-tôt. Eh, tu sais que dans ma consommation électrique, tu vas rigoler. 70% environ, ma consommation électrique se fait pendant les heures creuses. Comme quoi, je suis un mec qui vit que la nuit. Sachant que mes heures creuses, c'est 23h30, 7h30, 35. Bon, par contre, ça n'empêche que ces bâtards, ils m'ont fait une prédiction de 50€ par mois et tout. Je me retrouve finalement sans utiliser de chauffage depuis le mois de mars. Ah si, mois de mars, j'ai quand même utilisé un peu de chauffage. Mais mois de mars, j'ai pas mal consommé. Mais un mois sans chauffage, je suis à 70€ à peu près. Donc en gros, ce qui consomme le plus, c'est quand je fais à manger, quoi. Et mon chauffe-eau. Parce que j'ai toujours un pic d'électricité à minuit, donc je pense que c'est mon chauffe-eau qui se met en route là, la nuit. Hein. Je l'ai activé comme pendant ça. Ouais, mais un bon pic, tu vois. Mais ouais, pour que ça soit économique, je pense que c'est la nuit. Hein. Quoi, y'a un mec à sauver là-haut? Oh bah vas-y, il faut que j'aille le chercher, quoi. J'ai pas ce véhicule. J'ai pas ce véhicule, moi! C'est dur à viser celui-là. En plus, c'est Gemma qui m'a appelé pour la demande de lumière dans les vitrines et tout.
ils ont râlé sur la personne qui a appelé en mode ouais vous abusez et tout. En ce moment j'aime bien la CGMA. Et c'est une nuit de façon ils sont toujours cool. Si tu veux dans la CGMA c'est ce qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. Quand on a besoin d'appeler une société ou si quelqu'un du magasin a besoin de moi pour une urgence. Et voilà l'urgence quoi.